salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vous présente un nouveau jeu où on va incarner une petite fille qui s'appelle Lily pour devenir un chevalier de la rose. Je veux parler de Blossom Tales, The Sleeping King. C'est parti. Donc oui les amis, Blossom Tales, c'est un jeu qui est vraiment une copie de Zelda Link to the Past. Donc ce jeu est un véritable Zelda-like, il faut le savoir, vous allez voir par rapport au maniement du personnage, dans les combats, l'utilisation des accessoires, épée, bouclier, et par la suite autre chose, le système de donjons, les portes et ainsi de suite, on est vraiment dans un Zelda-like, mais dans un Zelda-like 2D, hein, comme celui de l'époque de la Super Nintendo. Hein, on pourra appeler encore une fois A Link to the Past. Le studio derrière le jeu, qui est Castle Pixel, a rendu hommage au Zelda 2D, qui est vraiment, vraiment... Faut le savoir, le jeu est une copie d'un Zelda, tellement c'est quasi pareil. Tu enlèves le personnage qui est Lily, tu le remplaces par Link, t'es dans un Zelda. Je te jure, t'es dans un Zelda. Y a pas à réfléchir, je te jure, un Zelda. Moi, ça, c'est la première chose qui m'a choqué. Hein. Après, je pense qu'ils ont voulu vraiment rendre hommage. Bon, les amis, on va pas attendre plus longtemps. Hein. Alors, on va découvrir le jeu. Allez, c'est parti. Bienvenue aujourd'hui, les amis. Bienvenue pour une nouvelle présentation de jeu, évidemment. Et nous allons tester Blossom Tales. Alors, c'est parti. On va commencer ça. The Sleeping King. Bon, jouer, bien sûr. Sauvegarde première. Première, les amis. Voilà. Donc, on va essayer ça ensemble. Donc c'est un petit jeu, voilà, en 2D, bien pixelisé. Grand-père, je t'avais dit qu'il s'est endormi, il dort tout le temps. Grand-père Quoi? Cher petit enfant, quelle bonne surprise. Il s'est réveillé, c'est un miracle. Grand-père, raconte-nous une histoire. Ouais, une histoire. Qu'est-ce que je vous ai raconté? L'histoire du brave petit elfe qui habitait dans le royaume magique de... Un million de fois. Une histoire qu'on n'a pas encore entendue, grand-père, allez. Ah, est-ce qu'il a une idée, grand-père? Je connais l'histoire parfaite. Je vais vous raconter l'histoire du grand royaume de Blossom. Youpi! Ils sont tout contents, les deux, là, tu vois. Là, c'est genre le genre d'histoire que les gamins, ils aiment bien, tu vois. Dans ce charmant royaume habitait une jeune fille du nom de Lily. Il est pas bien, grand-père, il est vraiment mal. Lily menait une vie tranquille aux côtés de sa grand-mère, tout du moins jusqu'au jour où ce qu'elle attendait se produisit enfin. Ah, cette histoire commence lors d'une journée très spéciale pour notre héroïne. Est-ce que c'était son anniversaire, grand-père? Non. Ce jour-là était bien plus important encore que son anniversaire, un mariage. Certains jours n'arrivent qu'une fois dans toute une vie. D'accord. Oh, ça alors, elle est encore au lit. Allez, on se lève debout. Ah, attention, c'est grand-mère qui le dit. Quand t'as une grand-mère qui te dit debout, t'as intérêt d'être debout. Alors. Oh non, j'ai dormi trop tard. Tu avais tellement hâte d'être aujourd'hui que tu n'as pas pu t'endormir, c'est ça? Bien sûr que non, j'ai attendu ce jour toute ma vie. C'est quoi ce jour? N'oublie pas, si tu as besoin de conseils, tu peux toujours venir me voir. Tu ferais bien d'y aller avant qu'il ne commence sans toi. Je t'aime, grand-mère. Alors, donc ça a l'air d'être un Zelda-like, même bien prononcé en fait, hein, tu vois. Allez. Donc ça, ouais, tu vois, les pièces, hop. Les jarres à lancer, les cœurs en haut à gauche, c'est un Zelda-like. Oh, bah, pff. Complètement, ouais. Lily sortit sa carte et marqua la destination d'un carré jaune. Oh, un carré jaune. La carte est... Oh, la carte est... Ah, si, non, ça. Ok. Ok. D'accord. Ouais, bah, pas d'accord. Je fais quoi, moi? B. J'appuie sur B, ça veut pas. Ok. Centré. On centre. Non, ça veut pas non plus. Je sais pas. Ah, voilà. Ok, d'accord.
Maintenant, il faut trouver les boutons pour appuyer. Attends, je voudrais bien trouver. Est-ce qu'on peut. Ah, il y a quoi là? Ah, une lanterne. Donc là, on peut pas passer. Qu'est-ce qu'on va bien récupérer? Donc là, c'est un Zelda-like avec. Avec une fille. Ça pourrait être un. Ouais, carrément un Zelda. Une histoire de Zelda, tu vois. Carrément, presque. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mon papa dit qu'il y a un temple quelque part et qu'il est rempli de créatures magiques faites de roches. Est-ce qu'il y a une araignée au plafond? Est-ce qu'il a une araignée au plafond? Bah je sais pas moi, ça a l'air. Ça a l'air qu'il ait une araignée au plafond, ton père. Alors, ah. Bah attends. Moi je veux bien, mais... Carte. Ok, on y arrive, mon petit gars. Et ils sont assez chelous les gens là. Chevalier de la Rose, le truc pour monter la garde, c'est d'apprendre à dormir les yeux ouverts. C'est pas bête, ça. Non, c'est cool, même. C'est cool. Alors, ça sauvegarde à chaque changement de map. Hein. Enfin, la map, elle change, mais d'écran. Chaque changement d'écran, pardon. Lily venait de mettre la main sur une pierre de portail. Si elle en activait une autre, elle pourrait alors se téléporter entre les deux. Le pauvre grand-père. Donc là, hop, voilà, on peut se téléporter à partir de... Si on en trouve un autre. Donc il faut rentrer. Alors attention, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je deviens le chevalier de la rose aussi? Heureusement, Lily arrive à juste à temps pour la cérémonie. Est-ce qu'elle allait redevenir la nouvelle reine? Ou un truc comme ça? Pas exactement. Au revoir, Orchide. Et enfin, toi aussi, je te nomme Dame Lily. C'est quoi une dame, grand-père? Elle devrait s'appeler Messire Lily. Lousse, si tu le dis. Je veux dire Messire Lily. Ah, c'est le roi Orchide qui parle en plus. Debout, Lily, tu es désormais un chevalier de la rose. Ah, je m'en doutais, tu vois. Ouais, c'est grave, un Zelda. Il manquerait plus que, tu sais, elle fasse le tourbillon, si qu'elle tourne sur elle-même avec l'épée. Et je te jure, on est dans Zelda. Sachez qu'un jour, la sûreté de ce royaume reposera entre vos mains, jeune guerrier. Le mage Crocus va maintenant bénir les chevaliers. Oh là, le mage, il est stylé, il a une tête de lion, là. Certainement, mon frère, Ronchon, que la rose soit avec vous, chevalier. Ah, chevalier commandant, écoutez-moi bien, recrue. Les donjons sont remplis de rats et ils doivent être purgés. Des volontaires? Tout le monde s'en va. Par contre, superbe! L'entrée du donjon se trouve dans le couloir à gauche de la bibliothèque. N'oubliez pas de consulter ta carte si tu te perds. Avec son épée et son bouclier en main, Lily était désormais un véritable chevalier de la rose. Alors, carrément quoi. Carrément, on est grave dans... Alors attends, à gauche, il m'a dit à gauche. On peut pas courir là? À gauche de la bibliothèque. C'est pas la bibliothèque. On va regarder la carte, c'est plus simple. Voilà, ok, d'accord. Ok, donc là, c'est la bibliothèque, c'est à gauche. Voilà. Ah, la bibliothèque. C'est bien. Ils apprennent, les gens, voilà, c'est bien. Lisez bien, les amis, lisez bien. Avance, là, qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce qu'on peut... Voilà, on peut casser les boucliers des chars avec notre épée. Alors, attends. La carte, j'ai dit. Ok, donc là... Est-ce que... Putain, je veux bien, là, je suis dedans, là. Grave, on est dans un Zelda, là, je te jure. Regarde, en maintenant, en faisant une pression sur A, voilà, je te jure, un Zelda-like. Mais c'est grave, enfin, c'est même plus que Zelda-like, tu vois. On est dans une copie conforme de Zelda. Alors, attends. Non, mais qu'est-ce que tu fais, là? Ah, une piécette. Bon, sauf que là, c'est des pièces et non pas des rubis, hein. On a tous retrouvé... Mais attends, mais tu fatigues là. Je suis bien là-dedans, quoi. Ok, je suis là. Et là, c'est fermé, donc je peux pas y aller, évidemment. Donc ça serait là. Ah, peut-être là, voilà. La descente aux enfers. Allez, là. Lily pénétra à l'intérieur du donjon sans la moindre idée des dangers qui l'y attendaient. Ah, des rats. C'est quoi ça? Ah, bien sûr. Non, c'est trop un Zelda, en fait. C'est même pas un Zelda. On aurait presque dit que les statues avaient été récemment déplacées.
Je te jure, on dirait trop un Zelda. Mais pas le faux Zelda, tu vois. Non, non, le vrai de chez vrai. Il découvrit une potion de santé. Elle pouvait l'utiliser à tout moment en ouvrant son sac pour la boire. Alors, est-ce qu'il y a un casse-tête là pour les statues qu'un? Ah! Alors, est-ce qu'il y a un casse-tête? Quelle statue a pu être déplacée? Donc, pas celle-là peut-être? Pas celle-là. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Non. Faire glisser. Ah, d'accord. Ok, en fait, je savais pas. C'était au petit bonheur la chance. Banco, les gars, banco. Alors, oula, il n'y a pas de trop de lumière là. C'est assez sombre. Ah, il y a des gens qui sont coincés à cause des rats. Pardon? Alors, attends. C'est dingue, hein. Attention, une araignée. Hop là, plusieurs araignées, attention. Sale bête. Sale petite bête. Mais il nous tape en plus. Mais ouais, en fait, c'est des méchants. Eh ben, c'est dingue. C'est dingue. Donc là, c'est que des méchants, d'accord. Ah, il y a un coffre, voilà, juste... Ah, pop, mon ami, c'est quoi ça? Ok, bon, je sais pas. En tout cas, ce qui est super sympa, c'est vraiment... moi, je sais pas, je retrouve ce... Oh, attention, les rats peuvent... On peut tomber, les amis. Ça me fait penser à... Comment il s'appelait ce Zelda? Oui, c'est un fan de Zelda qui se rappelle plus du... lui, il pouvait bondir sur les bas-reliefs en se plaçant au bord d'une plateforme et en sautant. Hop. Mince, je sais plus comment il s'appelle, c'est... Non. Ah mince, moi je me rappelle plus. C'était celui qui était super, sur Super Nintendo. J'ai un trou noir, bon tant pis, c'est pas grave, enfin, vous voyez de quoi je parle. Mais on dirait trop ça. Pour effectuer une attaque circulaire, Lily devait maintenir son épée. C'est ce que je te disais, tu vois. Allez. Alors attention. Hop. Hop. Voilà. Trop simple pour les gens qui savent manier le Zelda. Lily se figea de stupeur, tandis qu'un véritable torrent de flèches s'abattait sur un chemin délabré. Son bouclier devait pouvoir le protéger des vilaines flèches, non? Exactement. Alors, hop. Hop, clac, 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 clac. Ah, c'est parfait. Allez, on peut y aller. Attention, on change de côté. Et c'est parti, on y va. Elle est forte, hein, Lily. Si, c'est Lily. Mais attends, voilà. Hop, on récupère un peu de pognon. S'il y a, voilà, parfait. Ah, c'est cool, hein, franchement, le jeu est sympa, il est très sympa. En plus, je l'avais vu en réduction sur le store de Nintendo Switch. Et franchement, c'est cool. Je crois qu'il était un truc comme 7 balles ou un truc comme ça. Franchement, c'est grave sympa, ça. Voilà, ça en fait ça. Clac. Est-ce qu'on peut, par exemple, pousser... Non. Est-ce qu'on peut pousser ça non plus? Non. Est-ce qu'on peut passer à côté? Non plus. Hi, tu sais rien foutre, hein. Je te jure. Tu vois? Non. Tant pis. Tant pis, les amis, tant pis. Allez, hop. Là, en plus, c'est des tombes, en fait. C'est des tombes, faire attention aux tombes. Fais voir, je trouve que c'est le même. Non, c'est pas le même, tu vois. Je me suis dit, ah. Non. Ça va être peut-être celui-là, tu vois. Fais voir. Non. 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 Ah. Pourquoi il y a une... Non, c'est peut-être ses parents, je sais pas. Voilà. Ah oui, j'aurais dit que ça aurait été trop simple si c'était les mêmes statues qu'il fallait bouger. Viens là, toi, petit rat.
Toi aussi, petit rat. Alors attends. Non. Est-ce que c'est celle-là? Non. Bon, ça va être celle-là. Non. Est-ce que c'est celle-là? Ouais. Allez, bah, pousse. Voilà. Ouais, ça change, tu vois, c'est bien. C'est bien, ça change. Alors. Waouh. Alors, il y a un téléporteur. Voilà, donc ça, c'est bien. On va devoir affronter un monstre ou pas, là? Faut savoir, tu vois. Moi, j'aimerais bien savoir. Ah ouais, tiens, regarde. Un boss. Au cœur de la plus profonde salle du donjon, Lily découvrit la source du bruit. C'était le roi des rats. Oh, c'est adorable! Le dangereux roi des rats serait donc le premier vrai défi de Lily en tant que chevalier. Ah, il est stylé. Mouah, tu feras un joli repas pour mes enfants une fois que je t'aurai calciné. Attention, attention, vite. Il faut flinguer des rats, les gars. Attends, attends. Allez, pousse. Voilà, ça c'est trop simple. Eh, mais prends-le. Oh là là, non, ça c'est dommage. Vite, vite, vite. Voilà. Bon, bah voilà. Ah, je te dis, c'est un Zelda. Entièrement revitalisé, il était désormais encore plus forte. Avec un coffre, évidemment. Et la loi aux bombes. Mon instituteur de sciences dit que les explosifs étaient dangereux. Et il a bien raison, Chris. Mais notre jeune chevalier pouvait les utiliser pour détruire ses ennemis. Les obstacles qui lui barraient chemin et les murs fissurés. Alors, hop. Comme par hasard. Je connais trop les techniques. Une fois le roi des rats vaincu, Lily se faufila dans une porte secrète. À l'intérieur, elle découvrit une salle remplie de toutes sortes d'odeurs bizarres qui montent au poumon qu'elle était dans les toilettes, quoi. Hein? Mais non, non, c'était le laboratoire secret de Crocus. Cool, j'aimerais bien avoir un laboratoire secret, moi aussi. C'est dans cet horrible endroit que Lily trouva un ignoble message contenant le plan maléfique de Crocus. Voilà. Et ben, sur ce plan maléfique de Crocus, je vous invite à donc se retrouver tout de suite après, parce que on va parler un peu de ce jeu, ce Zelda-like, cette copie de Zelda. Et franchement, c'est sympa. Hein? Allez, à tout de suite, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, les amis. Qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi ce que t'as pensé du jeu. Franchement, on n'est pas dans un Zelda. Eh, ça, je vois, ça. J'ai vraiment halluciné, c'est un super bon jeu en plus. Le jeu est pas spécialement difficile. Bon, après, on a affronté que des rats, hein, tu vois, puis affronter un gros rat après, enfin, le roi des rats. Mais franchement, le jeu est pas spécialement difficile. Le maniement du personnage, les déplacements, les combats, tout se fait vraiment très simplement. C'est pas un jeu pour les enfants, je suis pas en train de dire ça, mais c'est un jeu qui est très simple d'utilisation. T'as trois boutons pour utiliser la carte avec le plus. Enfin bref, c'est vraiment vraiment un petit jeu très sympa. Et surtout, il est pas très cher en ce moment, il y a une réduction sur le Nintendo Shop. Franchement les amis, allez-y. Et en plus le jeu a une durée de vie assez correcte, hein. On parle de 12-15 heures, donc ça reste vraiment correct pour le prix. Et pour les gens qui ont aimé Zelda A Link to the Past, allez-y les amis, allez-y, c'est vraiment super, super. Et les amis, surtout, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et à mettre un pouce bleu. C'est la récompense. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle présentation de jeu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.